tu as un ressenti. Non, il y a rien. Un petit peu avant là, dans quelques heures, tu vas devoir sur un écran. Tu vas devoir jouer un autre personnage. Jouer la comédie. Comment dire? Disons que ce que je ressens, c'est j'ai les boules, je sais pas comment ça va se passer, et je me demande ce que je fous là. Comme d'habitude. Vous le sentez comment? Ce soir, il y a quoi ce soir? On fait un au cinéma. Cinéma, on va au cinéma ce soir. Ouais, on allait se faire un kebab. C'est vrai, mais... c'est parti. Genre, on allait se faire un kebab, non? Ouais, ah, mais, hein. Qui c'est qui s'est détaché? Non, c'est pas moi. Non. Miguel. Moi, j'ai pas de main. Tu sors. Alors, c'est quoi tes attentes un petit peu? De l'humour. Et des vieux. Messieurs, vous savez très bien qu'un vieux est un ancien jeune. Et qu'un jeune est un futur vieux. Exactement. Et pour être un vieux con, faut commencer très jeune. La plus belle arrive. La plus belle. C'est bien le temps qu'on se change. Messieurs, tu aurais pas dû t'habiller chic tout de suite. Ah bah il m'a dit. Quand on ouvre le tapis rouge, on ouvre la marche. D'accord. On est en classe. Ensuite, on se rechange rapidement pendant que les gens s'installent en moche. Pour vous, tout du moins. Tu prépares, Christophe, le matériel, c'est ça? Ouais. On va courir tout l'événement. Oh, y'a personne en culotte. Les pudiques. Ça y est, les fils se touchent. Hein? Les fils se touchent. Voilà, Maxence se dirige vers eux. Alors, tous bonsoir. Excusez-moi. Puis-je vous demander ce que vous faites là? Mais comment vous êtes rentré? Attendez, voilà, on a écrit des tâches. Les vieux, on est vachement inquiets, tu vois. Ouais, quand on est arrivé. Monsieur le maire! Monsieur le maire, je suis désolé. Qu'est-ce que. Écoutez, monsieur le maire. Monsieur le maire, ce n'est pas une attitude, excusez-moi. Mais quand même, je suis plus à côté. Attends. Et alors, ça donne quoi comme effet? Ça fait bizarre. C'est très bizarre. Ça fait l'impression de... Je tire dans la poche. Je mets la place des acteurs. Aïe. Non, mais il en a tâté des acteurs, hein, alors... Oh oui, j'en ai épilé même. J'en viens, il a plus de poils à cause de ça. Pour de vrai? Article 1, c'est quoi? Non, je vais faire les autres. Pour les touristes. Payant pour les touristes. Ouais, je t'écoute pas. Et là, après, c'est là que... Allez, je dis. Ah ici, ah non, là, c'est les techniciens, madame. Ah, oui. En est plein. Bah oui, bien sûr, hein. On a le droit de voir la séance aussi. Tu sais pas filmer. Ouais. Et y a du monde là-dedans? Bah, je sais rien. Il y a un gros pâté au milieu. Oui, oui, pour l'instant, voilà. Tout le monde et là, on peut après, année après année. Allez. Ouais, tac. Mais ça marche pas. Ouais. En fait, c'est ça. Enfin, moi, je reste là. Ouais. 151 en tout. Ouais. C'est des vrais publics. Donc, ils ont vraiment 150 sur 200. On fait pas cette population. Du cinéma, il la possède lui aussi, et c'est pour cela que je vous demanderai de l'accueillir bien chaleureusement, un invité de marque ce soir, qui nous fera un petit mot. Je vous demande d'applaudir monsieur le maire, s'il vous plaît. Bonsoir. Excusez-moi.
Excusez-moi, qu'est-ce que vous faites là, s'il vous plaît? Nous sommes ici parce que nous avons des revendications. Réclamons la fermeture du pont aux touristes. Ouais. C'est que la TVA pour les touristes passe à 39,5%. Merci. Et le parking interdit pour les camping-cars. Excusez-moi, monsieur, je vous respecte. Messieurs, dames, je vous demande de sortir, s'il vous plaît. Arrêtez-les! Monsieur le maire! Monsieur le maire! Détachez-moi! Monsieur le maire! C'est tout là! Je suis désolé, monsieur le maire! Monsieur le maire! Attendez, monsieur le maire, vous allez tomber! C'est vieux con! Ils ont les côtés! C'est vieux con! S'il vous plaît, monsieur! C'est une énorme erreur! Arrêtez! Stop! Excusez-moi, monsieur le maire, un peu de tenue! Mesdames et messieurs, si vous n'avez pas de billets, je vais vous demander de sortir. Au revoir. On reviendra. Enfin. Oui, c'est ça. Allez. Vous reviendrez. C'est ça. Allez. Asseyez-vous, monsieur. Non, on ne traite pas l'élu de la République de cette façon. Je suis désolé, monsieur. Je vous salue. Monsieur le maire. Non. Monsieur le maire, revenez. Ça arrive alors. Bon, qu'est-ce qu'il me reste à dire après ce fiasco? Je crois que une image vaut mieux qu'un long discours. Et en cela, je vous souhaiterais donc une bonne soirée. À mes côtés, des acteurs, des techniciens et qui sont devenus des amis, mais surtout vous aussi, le public, qui depuis 2 ans aussi me suit. Alors bien sûr, ce public a évolué et de lycéens, d'amis lycéens, vous êtes devenu un public plus averti et plus critique, mais c'est aussi cela qui nous permet de progresser pas à pas, de devenir plus objectif et aussi de se poser la question, de se remettre en question. C'est la magie du cinéma, car elle doit réussir à opérer sur vous, et c'est cela le plus important, car c'est aussi ça. C'est savoir faire preuve d'humilité, savoir s'effacer derrière une caméra pour laisser au spectateur une illusion de réalité. Alors bien sûr, il ne faut malgré tout pas nier ou même dénigrer notre travail et celui des autres, du fait qu'il ne se voit pas. Car le film, s'il est vrai qu'il peut être avant tout une aventure à regarder, c'est aussi une aventure à vivre. Et même s'il ne peut que se regarder seul, il est indéniable qu'il doit être créé avec de nombreuses personnes. En cela, bien sûr, je les remercie de me suivre donc depuis 2 ans, comme je le disais. 2 ans que j'ai passé personnellement, qui ont été 2 magnifiques années, et que je pense poursuivre avec eux si bien sûr ils me le permettent. Et c'est aussi cela, donc, au fond de moi et au fond de vous, sûrement, si vous êtes là ce soir, c'est que, bien entendu, vous êtes animés d'une même passion commune que nous avons, c'est, bien sûr, la passion du cinéma.